Bonjour à tous et bienvenue sur AquaZen. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo consacrée à la présentation de ce petit thermomètre digital que j'ai acheté sur Amazon. Alors, j'ai pas de sponsor sur cette vidéo, mais je tenais quand même à vous le présenter car je pense que c'est un excellent rapport qualité-prix. Je l'ai trouvé à un prix de 1,80€. J'essaye de vous mettre le lien dans la description, même si les prix sur Amazon varient souvent. Il faut savoir, sur pas mal de boutiques en ligne, le même thermomètre, on le trouve à 7-8€. Là, moi, je l'ai pris sur Amazon. J'ai une livraison qui a pris du temps, je l'ai reçu en 3 semaines, mais au final, par rapport au prix, eh bien, je suis tout à fait content. Il est extrêmement simple d'usage, il affiche la température en Celsius ou en Fahrenheit, le bouton power pour l'allumer, ensuite à l'arrière une ventouse. Les ventouses dans ce package sont pas non plus super efficaces, faut vraiment bien les coller. Pour les piles, il s'agit d'une petite pile plate. En ce qui concerne l'autonomie, je ne peux pas vous dire combien de temps ça dure, mais à l'image d'une montre ou un autre appareil comme celui-ci, je pense que ça dure un petit moment quand même. La longueur du fil est intéressante. Je ne sais pas si vous voyez, il y a au moins 30, voire 40, voire 50 cm. Même peut-être un peu plus. Donc la longueur de fil est très bonne. Et en ce qui concerne la sonde, eh bien là, je l'ai placée dans mon aquarium municipal. Elle est munie également d'une ventouse, ce qui n'est pas le cas dans tous les thermomètres. Attention. Attention, les ventouses, comme celles présentes sur le boîtier, elles ne collent pas super bien. Il arrive souvent qu'elles se décollent. Bon, une fois qu'on a trouvé le coup de main, après, ça fonctionne très très bien. Quoi dire de plus? Moi, j'y trouve un intérêt, notamment au niveau précision pour mon aquarium récifal. Avec un thermomètre classique, eh bien, on n'est pas forcément à une mesure au degré près. Là, j'ai quand même une mesure à la virgule, au 0,1 degré près. Donc, c'est quand même assez intéressant pour maintenir un certain équilibre. Je pense que ça peut convenir aussi à des grands aquariums avec une bonne hauteur d'eau par rapport à la longueur du fil. Voilà, une fois mise en place, à noter que la ventouse, vu qu'elle est de piètre qualité, elle ne colle bien que sur une vitre. Le câble en trop, il suffit juste de ravaler un petit peu le mou. Et puis ça fonctionne très bien. Donc c'est quand même un produit tout simple, qui est pas cher du tout, du moment qu'on trouve la bonne référence sur Amazon. Plus j'essaie de vous mettre le lien en description, et puis n'hésitez pas à vous en commander pour vous. Moi je pense que je vais en reprendre un nouvel exemplaire pour mon nouvel aqua. Voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos de la chaîne si c'est pas encore fait. Mettez un pouce bleu avant de partir, abonnez-vous, et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao. Et n'oubliez pas, restez zen.